Call sign. Et salut tout le monde, c'est Skyraze et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre Let's Play sur World of Warplane. Donc on se retrouve pour l'épisode 2 du Let's Play sur World of Warplane. C'est fou comme je me répète. Donc depuis la dernière fois, donc on a beaucoup plus d'argent. Mais on va faire deux ou trois parties et après on pourra s'acheter un avion. Donc c'est parti. Voilà, donc j'ai décidé de faire l'épisode 2 à la suite. Voilà, donc j'ai pas attendu vos retours en commentaire. Voilà. Donc vous connaissez hein, ce jeu, donc je mettrai aussi le lien dans la description si jamais vous voulez le télécharger et jouer bien sûr. Donc c'est gratuit, faut juste une inscription par adresse email, voilà, patati patata, le mot de passe, etc, le nom, prénom, voilà. Voilà, donc la partie commence dans 5 secondes. On a toujours notre petit bombardier avec nous. Donc, là, c'est un bombardier. Oula, 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 oula. Voilà, donc, les ennemis, ils sont par là. Voilà, donc, on va remonter un petit peu. On accélère. C'est bon, on est à 900 pieds. À vous perdez le contrôle de l'avion, augmentez votre vitesse. Ah ouais. Donc là, on va le prendre en chasse, lui. Non, lui plutôt. On va essayer quand même de... donc ça, c'est le bon sniper. Donc pour modifier un peu nos avions, donc ouais, donc on va acheter un avion plus performant que celui-là. Voilà. Alors on va essayer de prendre pas un avion allemand bien sûr, on va prendre un avion américain si jamais. Donc avion américain. Voilà. Donc il y a lui qui m'intéresse pas, il y a lui. Bof. Ce qui m'intéresse un peu c'est le P51 Mustang, mais bon. Lui non. Ouais, donc en gros on peut rien acheter pour le moment. Bon, c'est pas grave, on va retourner en gare. Ah lui il est en bataille, on va prendre l'américain. Voilà, donc le bel avion américain qui est plutôt bien fait quand même. Ou alors l'avion japonais. Donc l'avion japonais, lui qui a une aile inférieure. Voilà, donc aile inférieure qui est celle-là. Ouais, donc on va prendre l'avion japonais pour le moment en bataille et c'est parti. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement j'aurais sorti le let's play sur Minecraft. Donc le let's play, l'épisode 1 que j'ai sorti, bien sûr. Donc allez le voir. Hein. Donc c'est un let's play secondaire, bien sûr, de la chaîne. Voilà. Et peut-être un nouveau let's play aussi sur un autre jeu, bien sûr, qui sera
après Noël parce que j'ai pas mal de choses à faire pendant ces vacances. Donc qui sera sous une autre plateforme. Il sera sous une autre plateforme que le PC, voilà, donc à vous de chercher maintenant. Donc si vous avez trouvé sous quelle plateforme je vais faire mon prochain let's play, bah, vous le marquez dans les commentaires. Ou vous m'envoyez un MP. Voilà, donc je regarde un petit peu les astuces comme vous, parce que ça fait longtemps, bien sûr. Enfin, ça fait longtemps. Ça fait 2 secondes hein, pour le temps que je fasse le montage du premier épisode et tout. Là, je rejoue avec celui-ci. Oh, il n'y a personne. Voilà, donc on part par là. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Bonne chasse. Ça, c'est mode sniper. Je crois que c'est X. Non, X, ça a rien. Les bombardiers. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut quoi? Cible touchée. Allez, viens, 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 viens. Angle de plongée excessif. Yeah. Premier ennemi détruit. Ah, j'ai détruit un ennemi, donc ça c'est bon. Voilà. Allez, au suivant maintenant. Moteur endommagé, la durée de boost est réduite. Bah ça va, l'avion a été détruit. Il était où? Bon, on va voir un petit peu où il était. Le joueur lâche à détruire votre avion avec le tireur arrière. Ok, il est... Ah ouais, ouais, j'ai compris. Bon, on va retourner au hangar. Voilà. Et prendre notre avion le plus performant, bien sûr. Donc c'est lui. Voilà. Donc... C'est plutôt bien quand même. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Bataille. Donc, prochain objectif de cet épisode, bien sûr. Donc, on va essayer de débloquer notre avion. Parce que être toujours dans cet avion un peu coincé dans cet avion, quand même, c'est un peu chiant, non? Voilà. Donc, là, petit... Ok, donc faudra se méfier de ces 3 avions, bien sûr. On va commencer. Voilà. Donc il n'y a personne avec moi, quoi. Ouais. Ah d'accord, ils sont tous devant moi, en fait. Bonne chasse. Allez, c'est parti. Bon, on va faire comme lui, on va monter. Voilà, donc à 1000 mètres, c'est suffisant. On va plonger sur lui, bien sûr. Angle de plongée excessif.
cible touchée. Ok, ok, on remonte, on remonte. Ok. Bon, on va se faire un coup. Donc là je parle pas trop hein, parce que je suis un petit peu concentré quand même. Désolé pour ces blancs. On était à 18 mètres, je crois, je suis pas sûr. Qui nous tire dessus hein? Oui! On en a tué un. C'est plutôt bien quand même, un début. Voilà. On va partir vers là-bas, aider notre confrère. Qui est tout en haut de la mini-carte. Qui est en bas à droite de votre camp. Vous perdez le contrôle de l'avion, augmentez votre vitesse. Le moteur est en surchauffe, impossible d'activer le boost. Voilà. C'est bon, on est assez haut en altitude là. Pour le moment, il faudrait essayer d'aider notre ami. Chasseur. Qu'est-ce qu'il veut? Le réservoir de carburant a une fuite, risque d'incendie accru. Bon. C'est pas grave, on va pas trop rager contre ce genre de personne. On va quitter et on va prendre un autre avion. Ok, j'ai fait pas ok. Donc, on voit si on a débloqué notre avion, donc faudrait passer au moins niveau 1. Je sais pas, c'est où niveau 1? Enfin, c'est où les niveaux déjà? 42 000. Bon, avec 42 000 quand même, on a de quoi s'acheter un avion, hein. Enfin, je pense. Ok. Celui-là, on peut s'acheter celui-là. Qui vaut 25 000. Bon, ben, on va tenter. Ah, d'accord. Il me faut 119. Et je peux faire la recherche. Sinon, lui non. Ok. Ah, celui-là, oui. Ben voilà. Ok. Acheter dans le magasin. Acheter dans le magasin, j'ai dit. Voilà. Acheter. Voilà. Amélioration. Qu'est-ce qu'on a avec ces améliorations? Ouh, il est grand. Oh, il est pas mal. Hein. Oh, pas mal quand même. On va prendre. Ok, donc ça non. Ok, on va rien faire pour le moment. On va juste prendre notre nouvel avion et on va batailler avec. Donc j'ai hâte de l'essayer, bien sûr, hein, comme vous derrière votre écran. Voilà, donc on est trois dans l'équipe à avoir le même avion. Ok, donc niveau avion, on gagne. Niveau armement, normalement on gagne aussi. Très gros salut. Très gros.
très gros avion. Ah, donc il y a trois pilotes. Un à l'avant, un au milieu qui pilote l'avion et un à l'arrière. Ok. Bon, mais ils font comme ils veulent. Donc, ils nous ont mis à 600 pieds. Ok, c'est bon. Donc, on va partir par là-bas. Et on va monter. Donc, la partie commence dans 3 secondes. On va être chaud. Je me craque un peu les doigts, voilà. Je sais pas si vous avez entendu. Allez, on active le boost. Gros canon, ou canon gros, je sais pas. Angle de plongée excessif. Ok, donc il est là. On va essayer de se le faire. Ok, ils nous ont fait baisser. On sait pas pourquoi. Ah, tu peux remonter s'il te plaît, merci. Cible touchée. Perdez le contrôle de l'avion, augmentez votre vitesse. Notre quartier général a été détruit. Perte de précision des tirs en ciel et aérien alliés. Ok, donc il a détruit notre quartier général. Faudrait le défoncer. Ok, on a touché la cible. Angle de plongée excessif. Aïe. L'avion est en feu. Le réservoir de carburant a une fuite. Risque d'incendie accru. Aïe. Feu éteint. Ah, mais lui, mais c'est qui nous tire dessus, là? Ok, il est là, ce fumier. On va le défoncer. Vous perdez le contrôle de l'avion, augmentez votre vitesse. Angle de plongée excessif. Ouf. Et voilà. L'avion a été détruit. Il me lâchait pas, donc j'étais dans son axe. C'est pas grave. Bon, on saura que notre nouvel avion est plutôt lent dans son genre, donc on va essayer de monter plus en altitude la prochaine fois. Là, on va prendre celui-ci. Donc, celui-là, il était vraiment très gros. Ok. Bon, c'était un bel avion quand même. Oula, c'est quoi cette chute d'FPS là? Je suis passé de 50 à 30 d'un coup. Donc, ok, on va continuer. Donc on est déjà à 20 minutes de vidéo, donc on va faire une dernière petite partie et on va se laisser donc sur la dernière partie. Donc j'essaierai d'avancer d'avancer un petit peu dans l'argent, d'acheter de nouveaux avions, enfin des nouveaux avions. Voilà, donc eux ils nous ont mis à 1000 pieds. On va quand même augmenter. Voilà.
il est un peu long le chargement quand même. Hein. 30 secondes à attendre, c'est un petit peu long. C'est un peu ça qui nous fait perdre notre temps un petit peu. Là. Donc, ça y est, c'est bon, on est à 1000 mètres. What? J'ai dit à 1000 mètres. On va plonger sur ce truc. Non, oh non, c'est pas grave, on va retourner en hangar. Bon, on n'aura pas tenu longtemps dans cette dernière partie. Bon, je vous remontre notre dernier avion, enfin notre dernier avion, plutôt bien quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À partager aussi, c'est hyper important. Et moi, sur ce, je vous dis ciao tout le monde!